Voilà, comme ça on va commencer directement cette vidéo avec la mission de test de l'empereur Vosk qui nous permettra d'être le second, à moins que notre ami meure en route. On ne sait pour quelle raison. Un accident. Mais en même temps, j'y crois pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il m'a bougé ma cible. Et... de la dab. Allez, on fonce sur Baka. De toute façon, j'espère qu'ils vont me payer un jour. Et pas genre 30 000 encore une fois, mais bien plus. Genre 50, 100 000. Ce serait mérité avec le nombre de détours, de dialogues, de gens qu'il faut aller voir. Ok, celui qui abat le plus de pirates. Ouais. Ok. C'est parti, on va voir ce qu'on vaut. Bon, le dernier concours de tuage de pirates, j'ai fini à 7-0. Alors, il est sur ma droite. Avec son joli vaisseau soucoupe. Non mais le mec il trace trop quoi à chaque fois. Ils ont quoi? C'est pas des moteurs qu'ils ont. Sur son pote l'empereur, il lui a donné un big vaisseau histoire de faire de la lèche et il lui a dit ouais sinon je te coupe la tête si tu reviens perdant. Le mec il a déjà des kilomètres ou plus d'avance quoi. Chitage. Faut que je pique ses cibles. Ah, genre, c'est lui qui pique la cible. Mais il est sérieux. C'est moi qui suis face à face et c'est moi qui me fais voler. Ah non, mais tu me lâcheras pas une deuxième fois la cible. Va te faire voir. Voilà. Je récupère un peu ce qu'ils ont. Voilà. Ça peut toujours servir. Des pressions de l'Union. Cool. Alors, on va en avoir dans le coin, j'imagine. Ça fait donc de 1 pour moi. Sachant que je me suis fait voler le premier vaisseau. Trace trop le mec. Alors, où est-ce qu'il se cache? Allez, les pirates, venez. Faudrait que je fasse au moins. Tout à l'heure, il y en avait 7, donc j'ai fait 7-0. Pour être sûr de gagner, faudrait que je fasse au moins 2 kills. Alors pour celui-ci j'ai l'avantage et pour l'autre aussi le temps qu'il fasse demi-tour.
Eh bon. Il y en a deux là-bas. Là, je prends beaucoup de risques. Allez, 4-1. Normalement, j'ai assuré mes arrières. Il est dans ton boule, le mec. Hein. Bah, si t'as capté. Mais il t'en veut à mort. 5-2. Ouais, j'ai toujours le temps de boire un verre. Trois plantes rares, bien. Ok, allons sur la station vite fait. La station Baka, on n'aurait jamais été en plus. Why not? Qu'est-ce qu'on a dans le coin comme astéroïde? C'est vrai, ça a de la Dog Street. On n'a pas mieux, quoi. Toujours la même merde. Allez, allons sur Baka Station. Ok, comme ça sauvegarde. Ok. Donc le mec, bah, ils sont volés, quoi. Et donc on nous a piqué la bombe. Putain, le vaisseau de merde, quoi. J'espère que même celui-là il est plus intéressant. Carrément. Et alors. Débarrasser. Des conneries. Non. J'allais dire, on a passé les. Ah, si, ça y est. On a dépassé les Zanzarmir. Alors, il faut que j'aille carrément de l'autre côté sur Aenia. Mais en sachant qu'il faut que j'aille aussi sur Vulpes, je ne sais plus quoi faire. Un truc avec des cargos à protéger ou des mecs à buter. Ah putain, c'est quoi, des Terran qui attaquent ou des Nivellians? Bon. Rien à battre, il faut que je trouve la planète avec la porte. Non. C'est pas Beroc.
Où est-ce qu'elle est cette planète? Je dis ça alors que ça tombe, j'y suis. Non. En même temps, ça m'étonnait. Où est-ce qu'elle peut être alors? Pas là-bas. Merde, je la trouve pas. Ah si, ça y est. C'est Sinnoh. Oh, c'est la planète à Sinnoh. Sinnoh aime Choco. Ok, on va pouvoir se taper. Non, foutez-moi la paix. Franchement, je m'en fous de vos problèmes. J'ai déjà assez de soucis comme ça. Alors, j'hésite à aller sur Vulpes ou avancer dans l'histoire. L'histoire, c'est là-bas tout en haut. Sur Eania. Le problème, c'est que je suis carrément à l'opposé, alors que là, je suis juste ici. Dombak et Vulpes. Allez, on va y aller. Soyons fous. Putain, il y a beaucoup de choix ici. Deux planètes. Chez les Vosques, ils se sont pas foulés, les mecs. Autant ici, on avait 3-4 planètes, mais. Ah, mais ils sont encore en train de se taper. Les mecs font toujours la guerre des Vosques en fait. Duperius. Là, je vois pas de nouveaux minerais. Si on compte, on prend en considération cristaux des Void. J'ai pas l'impression de voir plus de matière qu'il n'existe. À moins qu'il y en ait ailleurs. Elle est où la porte? Là-bas. Ah, j'aimerais bien connaître les gens. Et j'aimerais surtout savoir moi combien j'en ai ramassé. Ça me donnerait un ordre d'idée. Mais foutez-moi la paix, bande de merdeux. Alors, nous, il faut aller sur Orcon. Je vais faire un petit tour sur Oni avant. C'est à côté. Ça va me permettre de pas rentrer direct en plein fouet dans une mission. Comme j'ai pas pris de station en route, je sais pas moi ici, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ça, le gros caillou, c'est quoi? Dock Street, rien de nouveau. Banium, rien de nouveau. Perius, pareil. Ah, même le titane quoi, j'ai bien fait de le prendre parce que c'est tellement rare. Ah, c'est que de la merde. Ah, de la merde. On fait du blé comme on peut. Allons visiter Oni. On a gagné plus de 500 000 alors. Ouais. Sac d'argent, pardon. J'aurais pu dire sac à merde. Alors, info. Ça vaut pas cher sur Skulltorp. J'y étais pas très loin, il me semble. J'avais pas vu un truc sur Vulpes ici. Peut-être ça. Ou les éléments. Ça vaut rien sur Nessia. Il divisé par 3. Magnétar.
Et franchement, ça il me reste plus que les deux pièces. Et on a fini le moteur, quoi. Alors, les versos. Qu'est-ce qu'on nous propose comme vaisseau? Le gros ça. Pas mal ça quand même. Hein. Franchement, c'est tendant. Par rapport à mon vaisseau, on me le fait à 150 000. Les prix montera peut-être encore si j'enlève mes trucs. Ça, on me paye pour l'avoir. Normal. Titane, fer, pyrésium, césogène, pyrrhus, noyau. À part si on considère tous les cœurs, mais je ne crois pas. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque l'or, 7, l'oricalzine 8, le dockstrite 9. Qu'est-ce qui manque? L'hypanium 10. Que me manque-t-il? Et le pyrésium 11, ça donnerait ça. C'est bizarre, j'ai l'impression de les avoir tous faits. Allez, allons sur la planète qui nous intéresse ici. Qui se tape? Ouais, je laisse se battre, moi. Allons sur Orcan. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? D'accord. Alors, j'imagine qu'il faut protéger ces messieurs. Je crois que c'est ça. Là, c'est peut-être le pyrésium que j'ai jamais vu. C'est peut-être ça que je ne connais pas. L'oricalzine ici. Allez. Allez. Faut que je les empêche de tirer sur les cargos, pour les tenir en vie. Les mecs ils font toujours des détours hein. 30 000 km. La dernière fois aussi ils m'avaient fait la même. Trois tonnes de bouclier entier, mec. Ok. Ah ouais, le pauvre il s'est fait toucher un peu. J'arrive à prendre les devants sur eux. Sachant qu'il risque d'être plus qu'un seul. Après, voilà, ils sont deux. Trois. Ils sont déjà en train d'attaquer. J'ai cassé le jeu. Sérieux, j'ai cassé le jeu, alors ça m'est jamais arrivé. Ah ouais, j'ai fait blanter le jeu. Ah, ça fait chier. Et ben, ce sera bien la première fois que je mets le jeu à défaut.
Bon, bah, j'ai bien fait de passer par la station. Et heureusement que les chargements de ce jeu ne sont pas super longs. Putain, j'ai mis à genoux le jeu. J'en reviens pas. Pas eu un seul souci en plus de quoi, 12-13 heures de jeu facile. Et là, il a rendu l'âme sur cette mission. Bon, on va pas lui en vouloir d'avoir eu un petit crash. C'est des choses qui arrivent. Comme je disais, chargement n'est pas super long, donc ça va. Et on était sur Oni, donc c'est bon. Et ouais, donc en 12 heures de jeu. Voilà, parce qu'on était à 11h55, le temps d'aller sur la planète. C'est ça. Voilà. Alors par contre c'est la sauvegarde automatique donc que je regarde vite fait que j'avais fait des trucs. Non. Par contre j'avais peut-être quelques petites choses à vendre, je suis pas sûr. C'était fait. Ah, c'est con en plus j'avais gagné un bouclier anti-émeute. Ça vaut une tonne, j'en avais gagné 3 je crois. Ça me faisait 15 000 crédits. Bon, on va essayer de reprendre le cours. Alors, par là-bas. Ça va, on n'avait pas trop avancé. J'ai donc bien fait, sincèrement, comme quoi le hasard, de faire un petit détour. J'avoue qu'heureusement, le lancement du jeu prend pas 1 heure. Mais je crois que j'aurais arrêté. Parce que ça fait quand même 2 heures de live quasiment. Et avec cette chaleur, c'est assez hardcore. Même là, plus de minuit, il fait chaud de streamer. Ah mais merde, il y a déjà des mecs. Ils m'ont même pas laissé le temps, quoi. Ouais, non, mais tu te fous pas de ma gueule, toi. Non, mais à fond dessus, quoi. Même pas, il m'attaque. Genre, va crever. Va crever nonchaleusement. Vous croyez que vous pouvez venir comme ça et défoncer mes vaisseaux cargo là? Sérieusement? Allez, faut que je reprenne la tête. Voilà, je l'avais dit. Je veux le dégommer. Ah bah c'est super bizarre, cette mission ne veut pas passer. Alors là, je ne comprends pas. Je ne sais pas, cette mission a l'air d'être buggée. Pourtant, le jeu a quand même 3 ans, je pense qu'il a dû avoir un suivi. Mais franchement, il n'y a pas moyen. J'ai jamais eu aucun souci et cette mission 2 fois d'affilée. Alors, ce que je vais faire. Non, c'est pas la bonne save. Putain, ça me fait un peu chier quand même, j'étais à côté. Mais je pense que tant pis, on va aller à Neapa, là, je sais pas quoi. On va aller dans le Nevada.
Système solaire du Nevada. Que la porte est ici, non? Je vais tenter de voir ce qui se passe, d'aller sur d'autres planètes, quoi. Mais j'ai l'impression que faire cette mission, bah non, le jeu est pas content. Là, il me l'a craché net. Il m'a même pas laissé d'espoir. Ça, super bizarre. Non, j'ai pas envie de me faire chier avec vous. Je suis à côté de la porte. Mettez-toi donc. Allez, on va passer par Prospero. Porte. Oumba. Ah non mais franchement je trouve ça super étrange. Ah, c'est dommage, c'était une mission pas spécialement chiante quoi. Mais dès qu'on arrive sur la deuxième vague, ça fait planter. Donc je pense que c'est possible que ce soit lié à la mission, un bug qui serait passé à la trappe. Mais bon, il y a bien quelqu'un qui s'est amusé à faire toutes les missions du jeu, j'imagine. Ça me paraît quand même un peu bizarre. Yo Humine, comment tu vas? C'est le... Putain, je me rappelle jamais. Le Velsine, le Velsen, un truc comme ça. Non mais vous avez pas moi chier. Qu'est-ce que vous voulez, vous bande de blaireaux? Wow, calmez-vous bien les pirates. Ah mais ils sont combien eux? R2, va falloir que tu répares là. Non, je l'ai dans l'os. Mais il est bien ce vaisseau. C'est un des vaisseaux au meilleur rapport qualité-prix. En termes d'armement et de cale. Et en plus, il est maniable. Eh oui, ça va, à part qu'il fait très chaud, je t'avouerai. Là, je vais mourir, salaud. Là, j'ai réussi à faire crasher deux fois le jeu à l'instant sur une mission. J'ai voulu faire une mission de transport, ça n'a pas voulu marcher. Ça m'a planté deux fois d'affilée le jeu. Allez, R2, répare-moi. Ah bah je veux bien te croire parce que même là il fait super chaud sérieux. Ah je me doutais que c'était pour ça que tu n'avais pas fait de live. Mais ouais, j'ai relancé le jeu. Deux fois il a crashé. Et franchement, je ne vois aucune raison. Parce que ça fait quand même, je suis à 13 heures de jeu, je crois. Donc il n'y a pas de spécialement de raison. Mais si, j'ai une armure.
je dois avoir plus de 200 d'armure. Mais j'ai un robot qui me la répare aussi. Regarde, elle se régène. Et après, le truc, c'était pas illimité pour l'instant. Il faut un meilleur vaisseau pour prendre plus d'équipement. Parce que t'as le stock limite. Je crois que pour l'instant, je suis à 6 ou à 8. Je crois que c'est 6 ou... Ouais, ça doit être 6G. Là, moi, il me faudrait un vaisseau au moins équivalent. Avec 3 ou 4 armes primaires. Et si possible, 8 ou 10 équipements minimum. Histoire de pouvoir ajouter des petites choses. Là, ça pourrait devenir intéressant. Ouais, bah bien sûr. Mais carrément. Le mec aime bien prendre des risques en face à face. Et pour un cow-boy. Allez, heure de réparer ma petite armure. Hop là. Bon, là-bas, j'imagine qu'ils vont s'en occuper. Alors, où est-ce qu'elle est la porte? Ah, mais ils l'ont pas encore dégommé? Ouais, j'ai pas fait exprès de te tirer dessus, me fais pas chier, t'étais devant. Ah merde, j'ai pas pris la bonne station, moi. Bon, je vais aller vite fait sur Samy. Sur Siamé. Bah, c'est la cale, franchement, c'est super important d'avoir. Dès que tu passes à 100 de cale. Pour le farm, ça va 10 000 fois plus vite. Genre, tu fais une sortie pour extraire des minerais, tu le fais, t'en prends 3-4, tu remplis la cale, tu vas revendre. Mais sérieux, celui-là, le Salven et le Furious, je pense que c'est le plus rentable à bas prix. Sans vouloir mettre trop cher. Tu peux t'en tirer à 50-80 000. Cinquante 80 000, t'as quelque chose de correct. J'en ai acheté un seul, les missiles, au pif, et ça fait partie de l'histoire, le moteur Cador. Ah mais je me doute, t'es qu'au début, t'as que 10 000. Mais c'est pour ça que je te dis justement, tu mets un peu de côté, moi j'ai fait quelques missions, j'ai mis de côté. Et dès que j'ai eu 100 000 environ, j'ai commencé à chercher le vaisseau le plus intéressant. Alors celle-là par contre je vais l'abandonner. Vu qu'elle a l'air de faire planter le jeu. Ça m'intéresse pas. Mais comme je te dis, après, t'as rapidement 50, 70 000, tu les as rapidement. Putain, Orkhon, c'est très loin d'ici, c'est là où j'ai fait planter le jeu, il me semble.
Non, j'ai pas spécialement envie, les gars. Ok, ça me fait une petite save. Alors, putain, mais encore un clown. Oh, et puis il veut pas me faire chier. Carotte. Alors, mais j'ai eu une bonne affaire et une arme de courte portée, une foreuse et aussi une moyenne cabine. Ouais, mais les cabines, alors moi j'ai pas compris le système par contre. Parce que, genre, si t'as 5 passagers, il te faut 5 cabines, quel est l'intérêt d'acheter des moyennes ou des grandes cabines? Moi perso, j'en ai deux avec moi, mais je les ai jamais utilisées. Elles sont dans mes cales pour l'instant. Parce que ça fait depuis le début du jeu, j'ai pas récupéré de mission de transport. Mais il va me foutre la paix, lui, derrière. Hein. Enfin, chercher la merde comme ça, quoi. Moi, je veux juste aller sur la porte. Me faites pas chier. Moi j'ai investi dans le thé de chercheuse. Pour les armes. J'avoue qu'une fois que c'est loqué, ça marche super bien. J'aimerais bien en rajouter une deuxième comme ça. Mais je veux pas de la station, moi je veux de ça. Le deuxième, il est là. Non, on n'agresse pas les Nivellians. 4 tas de noyaux césogènes. Cool. Ça ramènera un peu de fric. Mais si, je vis très bien maintenant. Mais c'est parce que ça va super loin aussi. Il y a une très bonne portée. Alors, Geno. Mais ça s'appelle avoir de l'argent et de l'investir, ça. Le but, c'est d'investir dans des armes plus puissantes. Je vais pas garder mes armes du début à 2000 ou 5000 crédits. J'aime bien le mec qui me passe à travers, normal. Voilà, je vise bien, ma deuxième arme primaire touche également. Ok. Quoi que c'est pas une station 10 ici. Je vais aller faire un tour. Je vais regarder ce qu'ils ont en armement justement.
Mais je suis pas sûr de trouver beaucoup plus intéressant. Ah, quoi qu'ils ont peut-être l'arme à visée auto. Je sais plus si c'est une arme ou quoi. Chez qui j'ai trouvé ça déjà? Cool, du pognon. Comment ça tape pour aller plus vite? Pim, pim, pim. J'ai les noyaux à revendre. Sérieux, j'ai trouvé ça dans les trucs, c'est bien ça. Ouh, c'est sympa ça. 24. Portée 3500, c'est pas mal. Franchement, ça se tente. J'en ai récupéré 3 comme ça. C'est super cool. Voyons, on va tester ça. Franchement, comme ça, je me garde un de chaque. Je vais en vendre un, je vais en garder deux peut-être. On va le tester. Et je vais en vendre un. Ça me sert à rien. Ouais, mais c'est pas marrant si t'avances le temps. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Attends, je joue pour faire le réalisme. Avancer le temps, c'est pas marrant. On ne peut pas avancer le temps dans la vie. Je voyage dans l'espace, moi. La soupe, on s'en fout. Les noyaux, on s'en fout. Ok. Faire une petite save. Hop. Et en plus, la plupart du temps, je joue à la manette plus souris seulement. J'utilise pas le clavier. Allez, ils vont me faire chier. Putain, mais y a pas un moment de tranquillité, les gars. Sérieux, vous en avez pas marre de vous faire botter le cul à chaque fois? Mais si, après c'est une façon de voir les choses après. Merde, putain, il me tire sur le Nivellian, lui. Il est con. Voilà. Mais non, pas sur moi. Mais après, c'est juste une sensation, c'est pas des mollusques. C'est que tout est bien plus grand. Donc la vitesse n'est pas ressentie de la même façon. Mais je veux pas ça, moi je veux la. Mets-moi la porte. Me fais pas chier. Là, ils vont à une vitesse quand même correcte, quoi, je veux dire. Faut pas. Tu joues plus sinon dans le jeu si tu passes ton temps à avancer le temps. Ah, pour moi, ce n'est plus un space opéra si tu t'amuses à faire que ça. Encore dans un X où tu dois attendre des jours et des jours pour attendre un transport encore, je veux bien. Mais parce que tu le fais souvent et tu vas jouer à très longtemps. Alors j'ai sauvegardé sur le truc avant, donc on va aller direct à Decato.
Voilà, on va voir si elle bug au cas où. J'espère pas. Je pense pas, je pense que c'était juste la mission secondaire qui avait un souci. De toute façon, ça va être la dernière mission de la soirée. Que je la réussisse ou que je la rate. Mais bon, ça devrait bien se passer. Ok. Faut leur péter la gueule sans péter la gueule au vaisseau. Mais je vais t'en intercepter une, moi. Allez, un au moins. Des conneries, moi. Beaucoup de risques inutiles. Allez, 2-2. Allez, encore un. R2, j'ai besoin de toi. R2. Allez, le dernier. Mais merde, j'ai pas le boost. Ok, c'est bon. Je vais le contourner. Vraiment fou, moi. Mais non, je fais des conneries. Ça pour ramasser un cargo, je pensais qu'il était très loin. Erreur d'appréciation, de jugement là-dessus. Je pensais qu'il était derrière les transports vu qu'il s'affichait pas. C'était juste un point rouge. Allez, c'est pas grave. Après 2 h 30 de live, je vais arrêter ici parce que là, la chaleur, ça devient hardcore. C'est pas grave, de toute façon j'avais dit que j'arrêtais que si je la passais au bout ou non. Je la reprendrai la prochaine fois, de toute façon elle est pas compliquée. J'ai juste fait un peu trop le barbare comme toujours, de toute façon. Et c'est pas une mission spécialement dure d'après ce qu'on a pu voir. Faut juste buter à 5 vaisseaux, rien de méchant. Allez, je vous dis bonne soirée. Bonne soirée à toi, Unmin. Et puis à bientôt, ciao ciao!